Bye. Ils n'ont pas eu l'Alsace. Voilà ce matin la seule consolation du clan UMP en France. Après le second tour des élections régionales d'hier, le parti du président Nicolas Sarkozy a clairement été victime de la vague rose qui a déferlé sur l'ensemble de la France. Selon des résultats région par région, la gauche obtient environ 54% des suffrages, un record depuis les législatives de 1981. Le PS devance ainsi de 20 points l'UMP, concurrencé par le Front National qui revient aussi en force. La Lorraine reste elle aussi à gauche. Jean-Pierre Messeret rempile donc pour 4 ans. Nous avons prouvé que nous restons un peuple capable de grandes choses, s'est félicité Barack Obama dans la nuit de dimanche à lundi, alors que les représentants venaient d'approuver par 19 voix contre 212 le texte sur la santé adopté en décembre par le Sénat américain. Le texte devrait permettre de garantir une couverture sociale à 32 millions d'Américains qui en sont dépourvus. L'objectif est de couvrir 95% des Américains de moins de 65 ans. Le texte interdit aussi aux assureurs de refuser une couverture à des personnes malades préalablement. Tous les sens étaient en migration ce week-end à l'occasion du 27e Festival des Migrations à la Lux Expo. Pas moins de 20 000 personnes se sont déplacées pour quelques heures d'évasion à travers une ribambelle de saveurs culturelles et culinaires. Pas moins de 17 000 étrangers, soit plus de 150 nationalités différentes, ont établi leur vie au Luxembourg. Et le Festival des Migrations est justement l'occasion d'en prendre conscience et d'apprendre à les connaître et mieux, de venir à leur rencontre.